Bienvenue sur la chaîne de studio Le Corner. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire qu'est-ce qu'il y a dans mon sac d'école. Donc, c'est parti. Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Mon style est épileptique. Je suis une licorne avec une crinière soignée. Elle est douce comme Beyoncé. Unicorn. Donc, je vais commencer par le sac. Donc voilà le sac, donc il y a des petites étoiles roses pastel et des roses un peu plus claires, bah foncées je veux dire. Donc c'est avec des ailes d'ange. Il y a un peu de paillettes hein, sur les ailes, t'as vu? Et là la marque c'est Little Carte. Carl, Marc, John. Voilà, et là il y a encore écrit, voilà. Donc là il y a... il y en a trois, oui. Il y a trois fermetures. Oui, une, deux, trois. Et là-dedans, il y en a encore deux. D'accord. Donc, et moi, j'ai accroché deux Lockstar. Donc, j'ai accroché celle-ci. Donc, on pourra faire comme ça. Voilà. Donc c'est le petit Lockstar licorne. Et le petit monstre. Ah oui, c'est celui que Recreafun t'avait envoyé. Oui. Donc, il est très, très joli, hein. C'est des fausses poches. Et franchement, t'as vu le dessous, il est antidérapant, donc c'est vraiment bien. Voilà, donc vous voyez, le dessous est antidérapant, je trouve ça super. Oui. Et moi, ce que je trouve encore plus super, c'est que déjà, ça, c'est pas dur, c'est... Elle est molle, d'accord. Oui, c'est mou. Donc, et là, en fait, là, il y a les trucs, donc c'est sympa, ça. D'accord. Ah oui, c'est peut-être pour resserrer un petit peu plus le sac, je pense. Là, il y a les trucs pour le cou, là. Ouais, pour tenir, d'accord. Et il y a des petites mousses pour que ça te fasse pas mal au dos. D'accord. Pour les épaules là. Ouais, et pour le bas du dos. Donc c'est génial. Franchement, je vous le conseille. Oui. Moi, j'avais pris aussi deux trucs qui vont ensemble. Voilà. Donc on passe à l'ouverture du sac ? Oui. On y va. C'est parti. Alors, on va commencer par la première pochette. Donc, on va commencer par l'équerre. Donc, voilà, une équerre transparente de 12 et 11 cm. La boîte de crayons couleur, il y en a 18. Donc, c'est une boîte métallisée. Mon agenda, mon fameux agenda, la télédrexane. Donc, je ne vais pas vous dévoiler un peu trop. Donc, là, je l'avais déjà montré, voilà. Il est vraiment très beau et il y a des autocollants très complet. Des recettes dedans. Ensuite, deuxième pochette. Alors, il me fallait une boîte de mouchoirs, donc j'en ai pris 150. Pas 150 boîtes, mais une boîte de 150. Oui. Alors, ma règle, donc c'est une règle flexible. Oui, souple. Et bien sûr, encore une règle rose. Oui, de 30 cm, j'avais pris la même, mais sauf qu'il n'y avait plus les gradiers. Les graduations, oui, c'est vrai. Prochain. La trousse Fluffy. Trop belle. Donc, le bleu, il est vachement beau. Ouais, et en plus, t'as vu, il y a Fluffy derrière toi. Bonjour Fluffy, elle fait la vidéo avec nous. Et en fait, là, le côté là, c'est pailleté. Ouais, elle est pailletée, elle est vraiment trop jolie. Il y a du plastique, voilà, on sent pas les petites paillettes. Toi aussi, t'as vu, vu que t'aimes bien le bleu, le rose, un peu le violet, la trousse te correspond vraiment bien. Il est un peu bizarre par contre, l'arc-en-ciel. Et donc, dès qu'on l'ouvre, ah oui, il y a le petit arc-en-ciel. Ouais, trop mignon. Et tu as mis quoi dedans ? Mes feutres. Ah oui, c'est les feutres Bic qui s'effacent au lavage. Donc, il y a plusieurs couleurs. Il y en a 24, il me semble. 24. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de la chasse aux fournitures scolaires, je vous mets sur le petit ici. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Oui, donc elle est franchement belle. Luna, hein. Elle adore sa trousse. On va passer à la trousse d'école. Donc la même que mon sac, Little Car Arc jaune, voilà. Très très belle. Et je crois qu'il y a deux côtés. Oui, il y a aussi ce côté. Voilà. Donc je sais pas quel côté vous préférez, d'ailleurs dites-le nous en commentaire. Ce côté. Ce côté. Donc moi j'aime les deux. Regardez.
petit chiffon. Donc ce chiffon, il me servira aussi pour effacer. Donc voilà, il est rose. Ensuite, on a 4 stylos billes. Donc vert, bleu, rouge et noir. Je ne me servirai pas du bleu trop parce que j'ai un effaçable aussi, donc de la marque Pilote. Voilà. Et c'est le Pilote Friction. Oui, Friction avec la gomme ici. Okay. Donc voilà pourquoi je n'utiliserai pas trop le bleu comme ça. Ensuite, mon compas. Donc c'est un compas de marque MAPED. Et donc il est violet cette année et c'est pratique parce que ça c'est pratique. Ça c'est pratique. Voilà. Parce que des fois on peut se piquer avec. Voilà, et là on ne peut pas se piquer. Voilà. Mes ciseaux de cette année, c'est esquisse comme l'année dernière. Sauf que là, elle a voulu les roses. Oui, parce que avant j'avais pris les bleus. Et donc c'est pratique. C'est... Alors que je t'avais dit de prendre les roses. Il y avait du jaune aussi. Oui, il y avait du jaune et du vert aussi. Oui. Donc voilà. Je pense que l'autre année, s'il y a du violet, je prendrai un violet. Ou un jaune ou un vert. Voilà, je prendrai que ces ciseaux comme ça. Alors, ensuite, j'ai un coup. Donc, en fait, là, c'est le crayon miam, miam, miaou. C'est le crayon HB. Alors, je montre juste les petits détails du chat. Donc, il y a des petits cœurs et des chatons dessus. Donc, il est très, très beau. Merci. Et aussi, il y a la gomme qui va avec. Donc, là, il y a aussi ce modèle-là. Sur le côté. Donc, voilà la petite gomme qui va avec. Et il y a aussi ce modèle-là et un autre modèle avec des pattes de chat. Ensuite, on est bientôt à la fin. Une colle, donc c'est le... L'Hôtel Transylvanie. Alors, c'est la nouvelle collection. Et c'est toujours les célèbres U-U-Stick qu'on aime beaucoup. Oui, que tout le monde a eu à l'école. Voilà. Vous allez dire qu'il est trop beau. Ben oui. Donc c'est Stabilo-Boss. Donc voilà, c'est le surligneur Stabilo-Boss qui est très très joli. Et je vous montre, regardez-moi cette couleur, elle est magnifique. Et ça va bien avec tes ongles. Ouais, et du coup j'hésite à commander les autres coloris. Oui. Comme ça on peut s'en servir à la maison quand on fait nos cahiers de vidéo. Voilà. Ensuite, le tacrime. Donc, il est rose. Donc c'est le MAPED. La couleur est très très jolie. Vous voyez. La grenouille ou le lapin. Moi j'aurais préféré que tu prennes la grenouille ou le lapin. Je les trouvais beaucoup plus jolis. Et ils n'étaient pas si chers que ça. L'année prochaine, il y aura encore des nouveaux modèles à mon avis. Et ouais. Donc il est rose fluo. Ensuite. Donc c'est le Eject. Oui, c'est ça. Et le dernier. Je vais Oui, c'est le dernier. Donc, c'est la gomme. Donc, voilà, vous connaissez sûrement. Donc, en fait, là, avec ça. Voilà, on peut la monter, enlever. La descendre. Enfin, voilà, allez, tu montres. Et c'est de la marque MAPED. Ouais, elle est vraiment très jolie. Vous voyez. Elle est encore violette. Voilà, quoi. Encore du violet rosé pour Luna. Donc, c'est de la marque MAPED. Donc, maintenant, tu peux tout remettre dans ta trousse. Donc, dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous avez acheté quelques articles de la trousse similaire. Moi, j'ai ou alors quel est votre accessoire de la trousse préféré. Ou s'il y a quelque chose que j'ai acheté que vous avez. Voilà, ou que vous aimeriez bien avoir. Et j'ai vu quelqu'un qui avait le même compas. Ah, il est tellement joli aussi. Ouais. T'as oublié de remettre ta petite éponge et puis fermer ta trousse. Petite éponge, elle allait s'envoler. Alors, ensuite, là, il n'y a plus rien. On va passer à la troisième. La dernière pochette. Oh. Non, c'est la dernière. Il manque un Lockstar, du coup, il faut qu'on rachète un troisième Lockstar. Oui. Alors, là, j'ai mon classeur. Donc, pareil que... Le cartable et la trousse. Voilà. Et donc là, il me fallait aussi des intercalaires, donc j'en ai pris. Donc il lui fallait un jeu de 6 intercalaires. Oui, et là, c'est quelque chose, il me fallait un classeur avec 4 anneaux. Voilà, c'est ça. Donc
Les quatre anneaux, ça se décroche avec tous ensemble, ça. Voilà. Franchement, le classeur, je ne sais pas si vous voyez. Ah, mais il est vraiment très joli. Il est un petit peu effet pailleté. La France. Les petites étoiles. Et derrière, la France. Enfin, voilà, il est vraiment très joli et c'est fabriqué en France. Ouais. Voilà un petit peu pour le classeur. Donc, il est vraiment joli. Hein. Mmh. Wow. Moi, j'aurais préféré trouver des classeurs un petit peu style ananas, donuts, licorne. Mais on n'a pas trouvé ce que l'on voulait chez Leclerc. Après, c'est pas grave, au moins c'est assorti. Voilà, après, elle voulait vraiment le classeur assorti à son sac à dos. Oui. Ensuite, ma pochette à élastique, elle est vraiment trop belle. Donc, c'est la marque Esquise. Donc, c'est une pochette transparente avec dessus des fleurs. Bah, c'est pas des fleurs, mais c'est un genre de truc. Voilà. C'est des feuilles en fait. On aurait dit les petits rideaux là qui se ferment. Qui se ferment. Non, c'est vrai qu'elle est trop jolie. Ouais, donc c'est la marque Esquise. Et donc elle est transparente et elle est rose. De toute façon, tu ne t'en sers pas beaucoup. C'est vraiment de temps en temps, chaque trimestre, pour amener les documents. Par contre, l'autre pochette à la violette, elle est remplie de chiffres remplis. Oui, elle est remplie de chiffres remplis. Donc si jamais, parce qu'on nous a dit que celle-là cassait, on en rachètera une autre. Si jamais on trouve une licorne, on prendrait une licorne. Ensuite. Donc, mon porte-vue de 80 pages. Donc, il est encore violet. Et là, ce qui est pratique, c'est qu'on peut mettre un petit dessin. Voilà, tu peux mettre une fiche ou quelque chose comme ça. Et pareil pour là. C'est mieux facile. Donc c'est plus elles sont plus pratiques quand elles sont de cette matière. Et en plus, il est comme ça. Donc, Oui, il est rigide. Voilà. Ensuite, j'ai trois cahiers de brouillon. Donc, de la marque Esquisse, toujours. Donc j'en ai un jaune. Voilà, c'est avec des gros carreaux. Voilà. C'est des 96 pages, il me semble. 96 pages. Voilà. Donc j'en ai un jaune, un vert, donc il est très joli ce vert. Et un bleu. Voilà, le son préféré, je pense que ça doit être le bleu. Non, c'est le vert. C'est le vert, sérieux ? Et le jaune. D'accord. Comme les couleurs des citrons. Ensuite. C'est mon ardoise. Donc l'ardoise, elle est comme ça. Donc j'ai le petit crayon qui est comme ça. Esquisse toujours. Le petit chiffon. Et l'ardoise. Donc elle est rose. Elle n'est pas rigide. Non, celle-ci, elle n'est pas incassable. Donc j'en avais. Donc il y a un côté à carreaux, en fait, c'est ça, et un côté sans carreaux. Avant, on l'avait eu avec les écritures là. Oui, c'est vrai. Et le petit chiffon que vous avez vu dans la trousse, donc du coup, c'est pour utiliser sur l'ardoise. Voilà. Et c'est tout ? Tu as plus rien, ça y est ? Oui, plus rien. Donc voilà, le sac est vide. Dites-moi en commentaire les fournitures que vous allez plus préférer. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Donc ciao pour de prochaines aventures.